Bonjour à tous, je m'appelle Louis Cabanis, je suis étudiant en deuxième année en ingénierie à IMT Atlantique sur le campus de Brest. Avec Thomas Traineau, un ami de l'UTC de Compiègne, on a développé une application mobile qui s'appelle Session et qui permet de proposer des sessions de sport des gens à proximité. Pour ma part, donc, je suis arrivé à Brest l'an dernier et je fais beaucoup de sports nautiques comme du surf ou du kitesurf. Et je me suis rendu compte que c'était difficile de trouver des gens à proximité pour pratiquer ces sports en fait. Donc c'est pour ça que nous, on a été amené à créer cette application avec Thomas pour répondre à ce besoin. Effectivement, il n'y avait aucune autre application qui faisait cela sur le marché. Session, elle est disponible sur les stores Apple et Google. Elle permet donc après inscription de sélectionner ses sports favoris et de se mettre en relation avec d'autres sportifs à travers des sessions de sport. Au-delà de cette fonctionnalité de mise en relation entre sportifs, Session, ça va proposer tout un écosystème digital pour les sportifs. Par exemple, pour les surfeurs, les kitesurfeurs ou ceux qui pratiquent l'escalade, on va avoir des cartes de spots où on va pouvoir pratiquer. Par exemple, pour l'escalade, on va avoir des informations sur chaque rocher où on va avoir les différents niveaux, que ce soit de la voie ou du bloc. Aujourd'hui, Session, c'est encore un projet étudiant, mais on est quand même soutenu par ITERA, l'incubateur de l'UTC Compiègne, l'école de mon ami, et on est également soutenu par IMT Atlantique. Avec Thomas, ça fait maintenant un an qu'on travaille sur le projet. On a eu la chance de l'avoir dans le top 55 des apps de sport, donc c'était vraiment quelque chose de glorifiant pour nous, et ça montrait que l'application a été attendue par la communauté sportive. En quelques chiffres, Session, c'est donc une application développée par deux étudiants pour 27 sports différents, qui a eu plus de 1800 téléchargements en seulement 2 mois, avec plus de 300 sessions organisées depuis sa création. Et pour ma part, c'est plus de 15 personnes rencontrées via l'application.